Tu parles d'un voyage? Eddie, dans la Lune, il paraît qu'on se sent 10 fois plus léger. Oui, il y a des planètes où la pesanteur, c'est pas la même. Dis donc, peut-être aussi qu'il y a des planètes où la pesanteur, elle est à l'envers. La pesanteur à l'envers? Oh, drôle de planète. Y'a quelqu'un? Oh, dis donc, c'est curieux. Pas lourd, hein. Mais à ton avis, c'est le plafond ou c'est le plancher? Hein? C'est quelle heure il est ici? -2. C'est pas mal comme mobilier. Non, il est -3. Oh! Eh? Des fruits! Quel fruit? Là-haut! Oh! Enfin, en bas! Laisse tomber, va. Quand on va raconter ça aux copains. Il fouille. On dit qu'il y a des planètes où que l'homme, c'est même pas un atome, tellement que les habitants, ils sont grands. Tiens, toi qui es bien balancé, bah, tu serais haut comme un pot de fleurs. Ça marche, ça marche. Continuez, continuez, dites autre chose. Continuez, ça marche, ça marche. Poème. Hé, hey, plus fort. Poème. Oh, oh, oh. Moins fort. Poème. Comment... Là, ça va, là. Là, ça va. Je vous dérange pas, hein. Comme un vol de gerfaut hors du charnier natal. Articulé. Fatigués de porter leur misère en montagne. Plus gai. De palonce. De moguère. Routier des cavités. Eh, vous en faites trop, là, non. Mon Dieu. Partez, ivre d'un rêve. Héroïque et brutal. Là, j'ai rien à dire. Bien. Ils allaient conquérir le fabuleux métal. Oh, oh, pule, 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 pule. Fabuleux, pule métal. Que Cipango mûrit dans les mines lointaines et les vents alizés inclinaient leurs odènes. Vous balancez pas, ça fait amateur. Au bord mystérieux du monde occidental. Hé hey. Ah ben, je vous croyais parti. Oui, ça, je ne vous voyais plus. Je croyais qu'il était parti, je croyais que c'était fini, j'étais content déjà. Parce que... Et, penchés à l'avant des blanches caravelles, hey, ils regardaient... Volant, volant, t'es là-haut? Si tu vas chez le boulanger, tu me ramènes une baguette, hein? Ils regardaient monter en un ciel ignoré. Hé hey. S'il n'y a pas de fantaisie, ballon, tu m'écoutes?
Il n'y a pas de fantaisie, tu me ramènes une miche. Il regardait une miche. Hé, hey, tu prendras des croissants pour Germaine. Il regardait monter en un ciel ignoré. Oh, piston. Je m'excuse de vous déranger. Quand vous aurez fini le décor, vous le mettrez dans le petit cagibi là-bas dans le coin. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui piquent. Du fond de l'océan. Réflexion faite, je vais l'emmener moi-même. On sait jamais, dans ces cas-là, faut des spécialistes. Dites donc, puis, vous serez plus tranquille, vous serez plus à l'aise pour vos mimiques, hein. Du fond de l'océan, des étoiles. Comment des bretzels? Et merde. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, puisque ce soir nous rendons hommage à la propreté de Paris, voici un hommage à Marseille. Voici donc, pour faire plaisir à Marcel Pagnol, une pièce d'Edmond Rostand. Voici Cyrano de Bergerac à la manière de Marcel Pagnol. Oh, Cyrano! Qu'est-ce que c'est? Tu peux venir une minute? Il y a quelque chose que je voudrais te dire. À moi, coquine de sort! Eh oui, femme de Chine! Oh! Tu as fait la sieste? Et alors? Qu'est-ce que ça? Voilà, il y a madame Zézette, elle a dit que tu porteras le petit panier au chemin des sables, tu ramèneras les canisses chez monsieur Félix. C'est madame Zézette, elle a dit que tu porteras le petit panier au chemin des sables. C'est madame Zézette, elle a dit que tu porteras le petit panier. Madame Zézette, elle a dit. Mais alors, tu l'as dit la chose ou tu te la gardes? Cyrano, tu as un grand blaire. Oh, mais tu deviens jobastre, toi, c'est pas possible. Eh non. Tu as un grand blaire, tu as même un grand gros blaire. J'ai jamais vu un grand blaire comme le gros grand blaire que c'est voilà. C'est pour me faire de la peine que tu dis ça, petit. Ouais, et ça fait 2 semaines que j'ai envie de te faire de la peine. Et je me languissais. Et tu le redirais, ton petit leitmotiv, là. D'une manière réfléchie. Il faut que je le réfléchisse. Autant que faire se peut. Avec la tête, c'est difficile ça, hein. C'est comme si tu disais, le camembert, vous le voulez guindé ou qui s'abandonne? Faut répondre, hein. Cyrano, t'es un grand bien. Bon, eh bien c'est un peu court, bonhomme. Et tu aurais pu trouver autre chose si tu avais un peu plus de graines dans le figuier. Tu aurais pu dire, par exemple, le nez de ce pauvre Cyrano, il est gros comme une tomate de concours à Cavaillon. Mais j'y avais pas pensé. Et tu n'y avais pas pensé parce que tu es une coucourde. Tu aurais pu dire encore, son nez, quand il se le mouche, c'est le Mistral. Il a déjà dit ça, monsieur Rostand. Il a déjà dit ça, monsieur Rostand, de quoi il se mêle, se favouille. T'aurais pu lire encore son nez quand il ronfle. C'est l'escadrille de Marignano grand complet, y compris les hélicoptères. Et ça fait du bruit, les hélicoptères, monsieur. Et te fâche pas. Ne me fâche pas. Je suis meurtri. T'aurais pu dire encore, descriptif, si un pic, si un roc, si un cap, que dis-je, si un cap, c'est une péninsule, la péninsule ibérique. Et qu'est-ce que c'est la péninsule ibérique? Mais la péninsule ibérique, la péninsule ibérique, mais c'est l'Italie, vous grenadique. En paix, marin sur le vieux port, près du ferry boîte, tu aurais pu dire... Mais quand tu regardes avec la longue vue,
doit avoir l'impression d'avoir des jumelles. On commence à voir le truc. Et tu as deux petites filles? Non, des jumelles. C'est une image bitubulaire que ce serait trop long, expliquait un fanat. Voilà ce que vous eussiez dit si vous aviez dessous le pois chiche sous la casquette, tu as compris? Hein? Et non, j'ai rien compris. Mais je dirais plus que tu es un grand blaire. Je dirais aux gens, Cyrano, il n'a pas de blaire du tout. Et voilà, tu recommences et tu tombes d'une extrême dans l'autre. Tu vas pas recommencer, non? Et non, dis. Il fait trop chaud, oui? Ouais, il fait trop chaud. Allez, viens te le boire, ce pastis. Grand couillon. Grossier, tu es un grossier personnel. La compagnie théâtrale Art Jeunesse et Santé par la voix est heureuse de vous présenter par ma bouche. Par ma bouche, par mes lèvres, une mauvaise pièce de théâtre mal écrite et mal jouée par des mauvais comédiens. Merci beaucoup. Ça s'appelle Les Mauvais. En anglais, c'est mauvaise. C'est très mauvais. Et je vous l'ai très mal présenté. Merci beaucoup. Il y a tout qui dépasse. Il y a un coup qui dépasse, je pourrais grandir, mon ami. Là, l'accident, n'est-ce pas? Faut l'enfoncer comme ça, n'est-ce pas? Qu'à passer les petits fours auprès de ces dames, ça n'est pas passé. Et moi-même, je vais aller prendre un petit quinquina. Ça va me requinquer. Du feu. Eh bien, lisons. Mais quelle heure peut-il bien être? L'heure. C'est ça l'heure. Oui, il faut taper là-dessus. Voilà. Encore. Ah! Midi, déjà, comme le temps passe vite. Et Estelle qui n'est pas encore rentrée. Mais j'entends la sonnette du vestibule. Régisseur, sonnez. Ah ben, je ne peux pas aller pas brancher la sonnette. J'entends la sonnette du vestibule qui sonne. Ben, frappez. Tiens, on frappe. Oh. Ça y est. Entrez. C'est fait. Est-ce Estelle? Est-ce elle? Bonjour, Blaise. Ah, c'est toi, mon bon Conrad. Je te dérange pas. Oh, certes, non, tu vois, j'écrivais. Mais non, je ne comprends pas. Mais... Il n'y a pas de clou. Je peux raccrocher mon chapeau. J'ai rien à tout, je vais raccrocher mon chapeau. Mais... Oh, comme ta voix la blême. Je ne suis pas blême, Blaise. Eh bien, si tu te voyais... C'est parce que... J'aurais grimpé trop vite l'escalier. Mais voyons, vieux Conrad. Oh. Nous habitons le rez-de-chaussée. Ciel, je me suis trahi, je me ronge. Je ne sais quoi te dire. Attends, moi non plus. Mais cela n'est rien, vieux Conrad. Prends donc un siège. Ainsi, nous voici assis. Ah oui? Je vais aller quérir une vieille bouteille. Oh, mais tu fais ce que tu veux. De derrière les fagots. Ah, c'est bien la meilleure marque. Brave Blaise, comme il m'aime. Lui dira-je mon lourd secret? Non, Conrad. Reste quoi qu'il arrive. Oui, non. C'est pas là. Mais c'est en tombeau. Tiens, le revoici. Je me dis, tiens, le revoici. Tiens, le revoici.
Oh ben tiens le rhumatisme. Ah tiens le revoilà. Ça me poussait pas. Sauvage. Tiens, goûte-moi ce bon vieux Porto. Un doigt seulement. Allons, allons, tu n'es pas une femmelette. Tu as été boy scout, toi aussi. C'est vrai, un doigt seulement, mais dans ce sens-là. Ah, est-il amusant, celui-ci? Aussi, m'esclaffé-je? Ha, ha, ha. Qu'est-ce qui joue bien, ce type-là, là? Faire, faire, faire. Il est délectable. Il est délectable. Oh oui. La table. Il est délectable. La table. Wouh! Ah, je vais être gris. Ah, mais non, mais non. À propos, je vois à ton costume que tu es en deuil. Mais non, je ne suis pas en rade, vieux Condor. Je ne suis pas en deuil, vieux Conrad. Ou plutôt si, je suis en deuil, moralement. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qui joue bien. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est poignant. Je peux leur faire entendre. Oui, oui, vas-y. Ah mon Dieu, mon Dieu. Estelle, comment sais-tu? Pauvre Conrad, tu t'es trahi. Moi? Allons, n'aie pas l'air plus bête que tu as l'air. De nous deux, il y a un bel imbécile. Eh bien, c'est surtout pas moi. Ah, j'aime te l'entendre dire. Qu'est-ce qui joue bien, ce type-là, hein? Non, mais dis donc. Quel est donc ce courroux? Ce courroux! Ce courroux! J'ai eu ses petites mains. Ma femme est ta concubine. Ma concubine! Ma concubine! Qu'est-ce que c'est cette combine? Oui, Conrad, ma femme, tu l'as. Blaise! Oh, j'ai pas vu la virgule. Peut-être que je joue trop vite. Prends des temps. Oh, mais je joue plus lentement maintenant. Mais me voici au pied du mur. Attends. Et au pied du mur. Attends. Attends. J'ai une forte envie. De te dire. Je vous ai eu. Oui, j'avoue, j'aime Estelle. Estelle. J'aime Estelle. Nous aimons Estelle. Ah, ainsi donc, je perds en un seul jour ma femme et mon meilleur ami. Ah, c'en est trop. Mais quelle est cette douleur qui m'envahit les jambes? Plus bas, plus bas, plus bas. Ciel, je ne puis plus bouger. Ah, le docteur me l'avait bien dit qu'une émotion nouvelle me terrasserait. Ah, que je souffre. Ben, tu sais, on s'ennuie pas chez toi. Que puis-je pour toi? Donne-moi une chaise. Ça y est, ça va recommencer, il n'y a pas de chaise. Non, il n'y a pas une chaise. Ah, je souffre. Apportez-la, non, non, mais c'est la mienne. Ah, mais je souffre. Ah, je n'ai jamais tant souffert. Ah, ciel souffert. Ah, mais que je souffre. Ah, ah, que je souffre. Pas vu un petit blond? Eh bien, vois-tu, me voici dans mes meubles. Prends ce bon fauteuil Louis XV. Me revoici assis, Louis XV. Et je reste debout à cause de ce que je reste. Eh bien, cours la rejoindre. Dis-lui que je lui pardonne et soyez heureux tous les deux. Je ne puis, château. Mais cela n'est rien, vieux Conrad. Oh, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Appelle-moi Georges. Oui. Oui, oui. Cela n'est rien, vieux Georges. Je ne vous oublierai pas dans mon testament. Testament, testament. Toi, tu vas faire une bêtise dans chaque partie. Oh non, non, non. Oh, mais si, mais si. Oh, mais non, mais non. Oh, mais si, mais si. Oh, mais non, mais non. Ah, mais si, mais si. Oh, mais non, mais non. Ah, mais si, mais si. Non. Si. Ah, tu vois que tu fatigues. Tu m'en donnes ta parole d'honneur? Je ne puis. Ah, je pars rassuré. Tous les garçons. Et maintenant qu'il est parti, mourons. Et maintenant qu'il est parti, mourons. Mais écoutez, il faut pourtant que jamais, il faut qu'on en finisse. Vous ne vous rendez pas compte de leur chilette, mais moi, faites quelque chose. Laisse à Maillard. Si je pouvais bouger,
Je courrais me noyer dans la pièce d'eau. Belle initiative. J'y cours. Il s'est pendu. Salut, sireur. Soir, vicomte. On peut causer? Rubinstein, arrête le chauffage. Tu me cherchais ou tu pensais? Je te cherchais. À toi de faire mignon, t'as 5 minutes, après je sors le bijou de l'écrin. Ah, va y avoir peu d'artifice. Je suis pas pressé pour te faire une grosse tête. C'est gala tous les jours chez les mecs à Ricky Chaulieu. Écoute, bébé, j'ai connu un petit gars dans ton genre. C'était à Bergerac City. Il causait comme toi, trop. Depuis, j'y porte des fleurs tous les ans à la Toussaint. Des chrysanthèmes, il était si sain. Ah, tu m'impressionnes pas, Siren. Et le patron, il m'a dit comme ça, Sira, c'est un toqueur. Et en y causant de son tarin d'Izzy, son quart de brie, je m'en fais des tartines. Il a dit ça. Et c'est toi qui fais les courses, mon caramel. Et si je te faisais une mâchoire d'occasion? Si je te payais un beau modelage. Oh, j'ai pas peur, Sirah. J'ai mon Lugère. Cause-moi encore de mon blaze. Ben quoi, c'est tout, ton pif, on en a marre, on veut plus le voir dans le quartier, t'as pigé. Ah non, c'est un peu toc. Si t'avais eu $2 de riz de veau dans la corserole, t'aurais gagné autre chose. Mais voilà, t'es un vrai cornichon en conserve. Tu veux jouer les gros bras, et puis t'as rien dans le cigare. Oh, je vais te pointer, hein. Non, t'as les grelots. Et pour mon blaze, t'aurais pu dire, écoute un peu. Je vais lui refiler un coup de fer à repasser sur les naseaux. Et sans patmouille. C'était champion. Alors tiens, l'armée du salut a refilé un cierge à l'enfant de cœur. Ça aurait fait rire. Et il y aurait eu de quoi se marrer. Mais il y a toujours de quoi se marrer. Dis à propos, Sirah, j'ai vu la môme Roxane. Oh, tu parles d'une géométrie, cette frangine. Laisse tomber la souris. C'est moi qui mène. Oh, ta voix charmeuse me berce. Tu marches trop vite, vicomte. Oh, je vais t'envoyer au frigidaire, j'ai le sang à la tête. Il va y avoir distribution. Tu vas y avoir droit. Un sol artillerie. Ah, t'es bien avancé maintenant, hein? Bouge pas, Sirah. Ou je te couche dans le muguet. Fleur de linge, t'as signé ton billet. Écoute un peu ton faire-part, c'est une vraie carte postale. Règlement de compte. Qu'au Bourguignon's Hotel, Monsieur Sirah, of Bergerac Station. De la bande à Velpo. Mais t'as avec un Shintok. Qui c'est ça, le Shintok? Le fils de ta mère. Oh, fais gaffe, Sirah. J'ai le tir vicieux, je te préviens. Je rejette avec grâce mon feu. Fais gaffe, ça part tout seul, ces trucs-là. Hein. Mais je retrouve mon veston qui cale feu. De quoi? Un pétard terrible. Quoi? Un motus. Après 10 heures. Je travaille toujours au silencieux. Tiens, Astérix. Où ça? Là. Ah! Il m'a piqué mon feu. Il manque une rimaille en eux. Oh, c'est marrant, tu causes comme Rostand. Ton sapin, qu'on dit qu'on veut le calmer. Sirah, 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 me fais pas la vache. M'envoie pas chez les têtes en os. Je te refile mes parts de fondateur sur la grosse Irma. Oh non, non. Non, pas le gros colon, non, l'intestin grêle. Ouais, et quand j'aurai fini de causer, hein? Mais je te touche. Il m'a chifflé. Oh, une vraie poupée qui chiale et qui te nifle. Mais à la fin de l'envoi, je te mouche. Je me présente, Jules Gréco. Vous connaissez ma sœur. Extrait de mon livre, j'irai cracher dans vos vestiaires. C'est ma période glauque. Voici un sketch futuriste que personne n'a jamais compris. Même pas nous. C'est la rencontre du zéro et de l'infini. Je serai le zéro, comme d'habitude. Et Jean-Marc Thibault, le comédien qui souffre, surnommé le repos de la guerrière. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Si. Eh bien, c'est récent. Sera l'infini. Moi, toi. Oui, moi. Je suis le zéro. Mais moi, je suis l'infini. Et je veux mon chemin. Sans frein, sans fin, sans foin. Ne regarde pas. Oui. Moi, rien. Malheur. Tintin. Mais c'est normal, machine. Pas machine. Non, machin. Ah, j'aime mieux ça. Écoute, des hyperboles, me cherche. Où tu as lu ça, toi? Dans les paraboles. Je connais une môme qui est isocèle à plein cube. Ah,
Encore une parallélépipède qui donne dans le carré de l'hypoténuse à pont. Assez, molécule absurde. Oh. D'abord, on n'est pas branché sur le même secteur. Mais c'est vrai. Je n'ai pas mes 4/5 d'azote. Oh. Imprudent. Sortir sans azote. Mais si t'as pas d'impression, prépare ton CQFD. Pan, pan. Tais-toi. Ah, tu as levé la boulière. Oui, 33. Mais que fais-tu? J'écoute mon cœur qui pompe. Ce soir, j'ai transfusion. Amoureux. Oh, Vénard, son genre, son nom. Diesel, 400 chevaux. Hein? Mais culbuté. Oh, machine. Ah, là, tu peux le dire. Mon corps est une turbine. Et mon rêve, c'est une belle paire de culasses. Mais qui t'a pistonné pour avoir ça? Bel étranger, tu veux savoir? Oui. C'est Pi. 3-14-116. Pi. Toujours l'église. Pourquoi baisses-tu ta ligne d'horizon? Mais demain où serais-je? Loin. Seul. Non, A2 plus B2 plus 2AC. Et Calix, c'est là où je vais. Emporte des casse-croûtes. Ah non. Non, puisque tout corps plongé dans l'eau reçoit de bas en haut une poussée. Mais toi, t'es l'Archimède. Archie 8823, on se téléphone souvent, oui. Et tu l'aimes d'amour? Ah non. Par principe. Et alors? Mais je l'applique. Mais comme tu dois souffrir par les nuits sans lune. Surtout à Maubeuge. Mais si je me rapproche de toi? On va se confondre. On se fond. On sera bientôt plus qu'un point. Un point fixe. Garde à vous. Mais non, un point de départ. Oh, partir. Partir. Mais pour aller où ça? Où ça? Mais... Allez, qu'est-ce qu'on vous prend pour dites-moi, mon cher prisonnier sudiste. C'est commencé. J'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Oh, mais je vais lui répondre. Ça, c'est sûr. Mais dites-moi, maintenant que vous êtes entre nos mains, vous n'avez rien à déclarer? Si. Ah. Si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux, oui. Eh bien, vous autres, les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pâtée. Est-ce que vous répéteriez ce que vous venez de dire? Moi, je vois pas pourquoi que je répéterais pas que si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien, les nordistes, mon Dieu, ils auraient bel et bien pris la pâtée. Mais à qui avez-vous l'impression que vous dites ça? Un nordiste. Quel nordiste? N'importe quel nordiste. Ah non. Ah non. Ah non. Ah bon? Oh. Pas vous. Vous êtes caporal. Non. Vous êtes pas caporal? Non. Alors, vous êtes sergent. Et un sergent nordiste, vous auriez le culot de répéter votre petit leitmotiv, là. Moi, je m'amène et puis j'ai dit... Oui? Si les sudistes, ils avaient été plus nombreux... Et ben... La pâtée. Oui. Eh bien, je ne suis pas sergent. Eh bien, ça arrange tout. Je suis le général Grant. Ça n'arrange rien du tout. Et au général Grant, vous oseriez répéter vos balivernes? Ah. Je ne ferai pas des bêtises devant un général. Ah. Ça serait culotté. Ah bien, ça, ce serait. D'abord, je m'arrête. Oui. Et dans la conversation, je ne dis pas, je ne glisserai pas, que si les Suisses avaient été plus nombreux... La pâtée. Oui. Eh bien, je vous donne 5 minutes pour changer de camp, mon vieux. Sinon... Sinon, je vous fais fusiller. Ah, ça, c'est autre chose. Oui. Là, il faut que je réfléchisse. Ça, réfléchissez vite, mon vieux. Ah! Eh bien, je vois avec joie que vous réfléchissez vite, hein. Ah, me dis, t'es fou? Alors, dites-moi, hein. Cher nordiste, permettez. Je vous en prie, Mon grand. Oh, familier avec ça. Yes. You little sauvage. You chatouille. Alors, dites-moi. Maintenant que vous êtes des nôtres. Ah, content? On l'a échappé d'elle. Comment ça, on l'a échappé d'elle? Si c'est salopard de sudiste. Ils avaient été plus nombreux. Nous autres, les nordistes, on prenait bel et bien la pâtée, vous savez. Dans notre série Aventures à l'Ouest, nous sommes heureux et fiers de vous présenter une super production en cinémascope et en technicolor, intitulée Tom Mix, en français, Le Retour de Tom Mix, avec dans le rôle principal Roger Spierre, The Big Star, entouré des célèbres acteurs Roll Mops, Tomato Ketchup, les deux petites jumelles, les sœurs Blue Jeans, et Sophia Duplantin, la vedette qui pousse. C'est une super production de la Metro Goldwyn Mayer. Thank you.
Good evening, boys. My tailor is rich. But my doctor is not rich. One second, is the one. Mesdames et messieurs, excusez mon camarade. Il ne sait pas que vous ne parlez pas tous l'anglais. Alors voici, si vous le voulez bien, maintenant la version doublée en français de Tom Mix, le retour de Tom Mix, c'est-à-dire que nous allons donner une voix française à ces lèvres américaines. N'est-ce pas? Version post-synchronisée, comme on dit, au studio de Gennevilliers, dans la Seine, autobus 183. Merci. Soir les gars, content de vous revoir. Ouais, je vous avais dit que je reviendrais 5 ans jour pour jour. Je suis fidèle au rendez-vous, pas vrai? Non, l'âge naguère ne sera pas déterré du côté des montagnes rocheuses. Aigle Noir m'a dit la vérité. Celui qui a tué Jerry Tompkins, c'est ici, parmi vous. Ouais, mais t'as vu qu'il va y avoir de la bagarre. Vous êtes pas fiers, hein? Sam Banty et les autres, ouais. Celui qui a fait le coup a perdu un éperon à sa botte gauche. Ah, tu t'es trahi, Weston. T'as regardé ta botte gauche et l'assassin n'avait pas d'éperon, c'était un piège. Bouge pas, Weston, ou je vais faire feu. Ah, tant pis pour toi. Psst. Pas terrible, ça, hein, c'est... Psst. Ah, non, je sais pas faire les coups de feu, moi, je... On dirait de l'eau chaude. Ah mais je n'arrive pas à faire les coups de feu, je me parle. Ah, justice est faite, sûr. Quant à vous, il faut prendre le droit chemin, les gars. La guerre de sécession a cessé, sécession... Encore? Non, pardon. La guerre de sécession est finie, pas vrai. Et nous devons nous remettre au travail. Ah, Flossy, content de vous revoir. Oh, chérie, j'avais reconnu votre rire intelligent. Bref, vous, Flossy, je me sens tout timide. Boum. Oh, chérie, vous allez me décoiffer. Ah, je voudrais tant vous épouser, beauté. Est-ce que votre père est décédé? Non. Ben, il n'est pas mort, le vieux? Non. Hein, pardon? Est-ce que votre père est décidé? Non, pas encore. C'est un vieux renard, sûr, mais il est si bon. Ah, je vais aller le trouver sans perdre une minute, pour sûr. Je vais monter sur mon cheval et je ne dirai qu'un mot. Monter sur mon cheval et je ne... Qu'est-ce que c'est que ça? Je monte sur mon cheval et je ne dirai qu'un mot. Ben oui, mais il y a un mot que je peux pas lire, là. Et je ne dirai qu'un mot. Oh, chérie, embrassez-moi d'abord. Anne-Marie. Hey! Oh, pardon! Oh, je m'excuse, je pensais à quelqu'un d'autre. Oh, chérie, attention, elle est mal revenue! Ah, faites gaffe, les gars, je vais me mettre en colère! Non, pardon. Oh, faites gaffe, les gars, je vais me mettre en colère. Ah, regardez-les, ils fuient tous comme des lapins. Oh, Tom, emportez-moi dans vos bras. Vous êtes si fort. Oh. Ah oui, chérie, nous n'attendrons pas l'avis de votre père. Ah, vous avez grossi pour sûr, c'est la choucroute, oui. Nous allons nous marier, mon ange. Oh, elle a grossi, la vache. Nous allons nous marier, mon ange, dans la petite église en planche, pour sûr. Il y aura là votre tante Malou et mon cousin d'un œil.
Et devant toute la famille réunie pour sûr, nous serons unis pour la vie, oui. Vous mettrez votre belle robe blanche et vos grosses chaussures à clous, et nous partirons tous les deux d'un pas tranquille sur le chemin du bonheur. Hey, hein? C'est fini. Oh, pardon. Il t'a raconté, Jean-Marc, ce qui est arrivé dans le métro hier. Oh, ah bah tiens, t'as des clients, toi. Oh, bon, bah, j'y vais. Raconte. T'arrives pas si souvent. Raconte. Oh, le métro, mais c'est terrible. Moi, j'ose plus prendre le métro. Les femmes ont changé, c'est pas croyable. Maintenant, elles se croient tout permis. Oh, t'entends ces choses dans le métro, mais c'est vrai. Les jeunes ouvrières, tu vois, avec leur musette sur l'épaule, bon, ça passe encore, elles t'envoient des bobards. Ce gars-là, pour passer la nuit avec lui, je donnerais bien tous mes tickets de cantine. Bon, hein, c'est pas méchant. Mais les pires, c'est les vieilles. Elles sont sournoises, les vieilles. Elles tricotent comme ça, puis d'un seul coup, elles te balancent une œillade cochonne, dis donc. Moi, je sais plus où me mettre. C'est vrai. Dans le métro. Ah, dans le métro, puis il faut se méfier de tout le monde dans le métro, parce que même du personnel. Hein. L'autre jour, dis donc, j'étais en première, j'avais pas mon ticket. Il y a une contrôleuse qui monte. Votre billet. Moi, tu sais, confus, je fais... Je l'ai pas, madame. Oh, dis donc. Mais mon petit, c'est la prison qu'elle fait. Quelle autorité. Ça, le prestige de l'uniforme, hein, forcément. Alors, elle voyait que j'étais perdu, tout le monde, j'étais rouge de confusion, tu vois. Alors, elle me tapote la joue, comme ça, gentiment, et me fait, « Mais c'est rien, mon petit, ça va s'arranger. » Effectivement, il n'y avait personne dans le wagon, ça s'est arrangé. Mais... Pour 2,20 francs, j'avais honte, quand même, c'est vrai. Mais, dans le métro, les pires, c'est les femmes d'affaires. Vous voyez, les femmes d'affaires, le tailleur strict pour aller du chantier au bureau, tu vois, la coiffure tout en ciment pour que ça tienne toute la journée. Alors, celles-là, c'est les pires. D'une main, elles lisent Le Point et Valeurs Actuelles, puis de l'autre, elles font Le Point des Valeurs. Hein. Ah, moi, je te le dis, non, mais j'ai des bleus partout. Ça. L'autre jour, quand j'étais avec Raymond, tu connais Raymond ? Ouais. On avait fait du shopping. À propos, on a trouvé des petits pulls ravissants. Très, très jolis. Non, c'est vrai ? Parce que Raymond, il connaît toutes les bonnes adresses. Sa femme est avocat. Alors forcément, ils reçoivent beaucoup, ils sortent beaucoup, il est obligé de s'habiller. Hein? Bon, alors j'étais là, j'avais tous mes paquets. Non, mais c'est vrai, on achète 3 fois rien, ça fait tout de suite du volume. Alors j'étais là, j'avais mes paquets, j'arrivais pas à ouvrir la porte. Et il y a une femme d'affaires, tu sais, le genre cadresse supérieure, qui arrive et qui me fait, je peux vous aider, monsieur. Moi, tout de suite, merci, madame. C'est vrai, j'aime pas qu'on m'aborde. C'est vrai. Alors, après, je me dis, dans le fond, pour une fois que tu tombes sur une qui est serviable, hein. Et puis, tant qu'elle avait mes paquets dans la main, j'étais tranquille. Bon, elle m'a raccompagné jusqu'à la maison, dis donc. Elle voulait monter. Ce culot, hein. Oh, moi, j'ai dit non, à cause de mon père, il est sévère. Très sévère. Eh ben, je l'ai retrouvé tous les matins devant ma porte avec sa Jaguar et son chauffeur. Son chauffeur, Lucienne. Oh, je peux pas la voir, celle-là. Elle me regarde avec un petit air méprisant. Je me demande pourquoi elle me prend. Pour un traîner. Elle me prend pour un traîneur, ah, si. Pourtant, moi, j'ai jamais accepté un cadeau de sa patronne. Hein. Bon, si j'étais moins bête, tiens, j'en aurais des fourrures et des bijoux. Voilà, tiens, Georgette m'adore. Elle s'appelle Georgette. Elle me téléphone 20 fois par jour, même chez le coiffeur Raymond, mon shampooineur. Il rit. Il faut dire que lui, les histoires de femmes... Enfin, il vit avec Gaston, le manucure. Bon, pour en revenir à Georgette, l'autre jour, je lui dis, écoutez, Georgette, qu'est-ce que vous voulez? Elle me fait, vous... Alors là, j'hésite pas, je lui dis, si vous me voulez, épousez-moi. J'ai cru qu'elle allait bondir, hein. Eh ben non, elle est restée très calme. Elle a fait, je vais réfléchir. Depuis, j'attends. Mais si un jour j'ai la bague au doigt, hein, eh ben, j'en connais qui vont être drôlement jaloux, hein. C'est Benoît, Walter et tous mes copains du rugby. Ils vont faire une de ces têtes. Monsieur le Président Directeur Général, c'est au nom de tous mes camarades de l'entreprise que je profite de l'heureuse occasion de votre anniversaire pour vous dire toute notre admiration et toute notre reconnaissance. Tous mes camarades de l'entreprise, c'est pas tout à fait exact parce que ce serait plutôt une initiative personnelle. Oui, parce que quand je leur ai dit « demain c'est l'anniversaire du patron », ils m'ont répondu, le patron, son anniversaire, il peut toujours... Enfin, c'était pas l'enthousiasme.
C'est comme pour le cadeau. Moi, j'aurais préféré une grande gerbe de roses plutôt que... Seulement, la collecte n'a pas donné ce qu'on escomptait. Et moi-même, j'ai pas pu rajouter ce qui manquait, vu que je suis un peu gêné en ce moment. Enfin, ceci ne nous empêchera pas de vous dire, monsieur le président directeur général, toute notre admiration et toute notre reconnaissance. Reconnaissance d'abord pour votre carrière fulgurante. Engagé ici même comme simple manœuvre, vous ne tardez pas à être remarqué pour votre ardeur au travail par la fille du patron que vous épousez 9 mois plus tard. Votre beau-père, conscient de votre valeur, vous confie bientôt la direction de sa comptabilité. L'année suivante, il est en faillite et vous, vous rachetez l'entreprise. C'est alors qu'un nouvel amour vous sollicite et vous épousez mademoiselle Gonfrelon, ce qui voit naître les établissements Gonfrelon et Dumousseux, qui seront bientôt les établissements Dumousseux tout court, après votre divorce. Puis, survint la guerre. La mort dans l'âme, vous fûtes obligé de travailler pour l'occupant. Mais, dans un grand élan patriotique, vous ne reculez pas devant le sabotage et vous livrez les pièces dans des emballages de mauvaise qualité. Ce qui occasionnera pour les Allemands quelques pertes de boulons et d'écrous qui ne sont pas pour rien dans la victoire des Alliés. À la Libération, vous vous lancez dans la politique avec un égal bonheur, sachant faire évoluer vos idées pour le plus grand intérêt de votre entreprise, et aussi de la France, puisqu'à chacun de vos changements d'opinion correspond un accroissement notable des commandes de l'État. Reconnaissance aussi pour un patron qui a su, en 1977, nous conserver nos salaires de 1963. Et ce, malgré de lourdes difficultés de trésorerie, telles que pertes au casino, blocage en douane d'un yacht de plaisance, amende pour fraude fiscale, etc., etc., etc. Reconnaissance encore pour tous les avantages sociaux que vous nous avez consentis. Je n'en veux pour preuve que ce restaurant d'entreprise a la nourriture chaude et abondante et à la décoration si pimpante. Mais où il est à regretter qu'à la suite d'une compression de personnel, on nous ait demandé de faire nous-mêmes les achats, la cuisine et la vaisselle, ce qui forcément a amené beaucoup de nos camarades à manger chez eux, et ce qui fait qu'aujourd'hui même, je me sens bien seul dans cette grande salle, si pimpante. Mais comme j'ai eu l'honneur de vous le dire tout à l'heure, je suis un peu gêné en ce moment. Il faudra d'ailleurs que je vous en recouse. Enfin, monsieur le président, directeur général, je voudrais conclure et apporter à ce concert de louanges ma modeste participation personnelle en vous criant bien fort « Bon anniversaire, papa !» Que c'est difficile la langue française. Vous trouvez pas? C'est difficile, hein? D'abord, c'est illogique. C'est complètement illogique. Par exemple, chienne, c'est le féminin de chien. Eh ben, traîne, ça n'est pas le féminin de train. Allez comprendre. Et pourtant, si vous dites à un coureur cycliste, t'es à la traîne, il vous répond, je peux pas suivre le train. C'est complètement illogique. C'est comme scène. Scène qui n'est pas le féminin de sein. Et pourtant, maintenant, pour monter sur scène, faut montrer ses seins. Si, si, si. Ah, si. Moi, on ne me l'a pas encore demandé. Non, mais je vous préviendrai. Ça peut faire une occasion de revenir. Enfin, on ne me l'a pas demandé, mais si on me le demandait, qu'est-ce que je répondrais? Je ne suis pas saint? Ils vont me faire une scène. Ah non, c'est difficile, la langue française. Tenez, essayez d'expliquer ça à un étranger. C'est un marin qui cherche une marraine. Déjà. Bon. Il fait des pieds et des mains. Il se démène. Mais comme il n'a pas de veine, ses efforts seront vains. Et en voilà un qui aura de la haine. Il comprendra rien, votre étranger.
Surtout si c'est un étranger du Nord. Du Nord de Vervin. Où il y a de la verveine. Et des frites. Et moi, par exemple, je connais une fille. Quand on voit ses cheveux d'ébène, tout le monde fait... Ah oui, mais vous êtes déjà venu, vous. Tout le monde fait... Elle a un port de reine à cause de sa chute de rein. Seulement, elle mange trop de pain, elle grossit. Moi, ça me fait de la peine. Alors je lui dis, si tu veux encore faire du gain, mets une gaine. Oh non, c'est difficile la langue française, vous savez, c'est très difficile. Allô? 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 Allô, monsieur le commissaire? Oui, c'est encore moi. Vous avez reconnu ma voix? Ben oui, je sais, je vous téléphone souvent, je vous importune, mais je suis tellement inquiet, monsieur le commissaire. Il y a plus d'un an maintenant que ma fiancée a disparu. Et vous n'avez rien retrouvé? Hein? Même pas un petit morceau? Oui, je sais que je suis macabre, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans des moments pareils où on pense au pire. Et c'était une femme qui cherchait à se mettre en quatre pour faire plaisir. Ça a pu donner l'idée à quelqu'un. Mais oui, je sais, je ne devrais pas penser à ça, mais... Vous comprenez, je devais en faire ma moitié. Enfin, je veux dire, on devait se marier. Juste avant de disparaître, elle m'a donné une procuration sur tous ses biens. Alors, mettez-vous à ma place. Je ne sais pas comment la remercier. Hein? Et moi, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent maintenant? Oui, bien sûr, des dons. Oui, bien sûr, monsieur le commissaire, des dons. Aux œuvres de la police, oui. Oui, bien sûr, j'y penserai. Mais enfin, vous n'avez vraiment rien trouvé. Vous avez cherché partout, même pas. Je sais pas, moi, un petit tas de cendres. Mais oui, je devrais pas penser à ça, mais ça arrive, monsieur le commissaire, je vous jure, ça arrive. Ah bon, vous pensez qu'elle est partie avec un homme? Oh, dans le fond, ça me rassure un peu. Parce que la dernière fois qu'on l'a vue, elle prenait le train, c'est ça, oui. Avec un homme qu'on n'a pas pu identifier. Ah, dites donc. Vraiment, on n'a pas pu l'identifier, oui. C'est votre conclusion, vous arrêtez l'enquête là-dessus, oui. Écoutez, je suis désolé, monsieur le commissaire. Je n'ai plus qu'à vous dire merci et adieu. Adieu, monsieur le commissaire. Chérie, bonne nouvelle! On va pouvoir se marier. Ouais. T'es contente, hein? Tu vas enfin t'appeler Madame Landru. Madame l'infirmière. Oui, c'est moi qui vous ai appelé, oui. Il faudra que j'écrive à ma femme. Hein? Ah bah oui, je vais encore avoir du mal. Bon, ça vous ennuierait pas d'écrire à ma place? Je vais vous dicter. Merci. Ma chérie. Bah oui, je suis pas moderne. C'est de l'hôpital que je t'écris pour te dire que tout va très bien pour moi. Bien sûr, je ne serai pas auprès de toi pour le 15 août. Mais je pense que d'ici Noël, je serai remis de mes nombreuses fractures. Enfin, quand je suis sorti du coma, j'ai appris avec surprise que tu n'étais jamais venu me voir. Et que tu n'avais même pas demandé de mes nouvelles. Es-tu distraite? Je suis sûr que tu avais déjà oublié ce qui m'était arrivé. Enfin, par contre, quand l'interne t'a téléphoné et que tu lui as répondu « Il peut toujours crever, c'est minable », là, je crois que tu exagères. Tu n'avais pas le droit de parler comme ça, surtout devant un étranger. Je sais bien que nous nous étions chamaillés la veille, que j'avais eu le tort d'élever la voix, enfin, pas tellement, mais quand même, c'est pas beau de bouder. Point. D'exclamation. L'assureur m'a écrit pour me dire
que j'étais responsable de l'accident, vu que je n'étais pas en état de conduire à cause des coups de marteau que tu m'avais donnés sur la tête. Tu parles comme si je n'en avais pas l'habitude. Il est vrai que lui ne connaît pas ton caractère emporté. Point de suspension. Le commissaire affirme que c'est toi qui as saboté la direction de ma voiture. Les voisins t'ont vu en train de scier mon volant. Alors là, je m'insurge. Tu sais, comme je tiens à mes affaires, tu n'avais pas le droit de toucher à ma voiture. C'est une grande indélicatesse. Si tu continues comme ça, je finirai par croire que tu ne m'aimes plus. Voilà. C'est tout. Et même pas de formule de politesse. Oh. Qu'est-ce qu'elle va être vexée. Mercadier, tu me reconnais? Mouillard. Ça va? Tu te souviens? On était à la fac ensemble. Oh, dis donc, ça fait plaisir de te voir. Tu changes pas, toi, hein? C'est drôle, hein? Chaque fois que je prends l'avion, je rencontre quelqu'un que je connais. Oh, tiens, tu sais qui j'ai vu la semaine dernière? Blanchot. Mais si, Blanchot, il était avec nous en fac. Il avait plein de cheveux, une grande barbe. Mais si, Blanchot, on l'appelait Blanchot l'anarchot. Un grand costaud, il était toujours en tête dans les manifs. Puis alors, drôlement adroit, hein. Un pavé, un flic. Un pavé, un flic. Ouais. Drôlement costaud, Blanchot. Ah, il change pas, hein. Il a plus de cheveux, il a plus de barbe, mais il change pas. Hein. Enfin, il est content, il a épousé la fille d'un magistrat et... L'année prochaine, il espère être commissaire divisionnaire. Enfin, ça va, il est content. Oh, toi, tu changes pas non plus, hein. T'as toujours ta belle gueule, hein. Oh, mon salaud, qu'est-ce que j'ai pu être jaloux de toi. Oh, tu nous piquais toutes les filles. Puis alors, il t'en fallait, hein. 4 par jour. Un vrai obsédé, t'étais, hein. Ah bon? Ah, tu peux plus? Oh, bah, tu sais, c'est pas grave, ça se soigne. Ah non, tu peux plus à cause de ton métier? C'est bizarre, ça. Mais qu'est-ce que tu fais donc? Ah, t'es évêque? Oh, bah, dis donc, je m'en serais pas douté. C'est vrai que maintenant, pratiquement, vous êtes habillés comme nous. Hein. C'est vrai, on voit plus la différence. Alors, comme ça, t'as eu la vocation? Ah non, c'était pour faire plaisir à ta mère. Elle t'aimait beaucoup, ta mère. Ah, ouais. Ben moi, non, je change pas non plus. Oh, ouais, oh, ça va, je suis pas mécontent. Hein? Des poèmes. Ah, oh, c'est vrai que j'écrivais des poèmes. Ouais. Oh. Tu sais, hein, j'ai plus beaucoup le temps d'écrire de la poésie. Enfin, j'écris quand même. Je suis journaliste. Non? Pas littéraire, non. Financier. Bon, eh ben, je suis bien content de t'avoir revu. Puis, je suis content surtout de voir que... on change pas. Monsieur le Président, messieurs et mesdames les jurés, ma plaidoirie sera très courte. Non pas que je manque d'arguments pour la défense de mon client, bien au contraire, mais le temps qui nous a été imparti dans cette audience a été plus que largement dépassé, je dirais même dévoré, par l'éloquence ô combien copieuse et que je connais trop de Madame l'avocat général. Éloquence moins copieuse dans un prétoire qu'au téléphone, croyez-moi.
tout à l'heure, je ne tenterai pas d'user de mon charme, comme on l'a fait par ailleurs. Je ne jetterai pas, quant à moi, de longs regards langoureux à monsieur le quatrième juré qui ressemble à Alain Delon, comme n'a cessé de le faire pendant tout ce procès, madame l'avocat général. Oh, je t'en prie, Simone, je t'ai vu, hein. Bon. Tout à l'heure, avec une cruauté qui m'est hélas familière, madame l'avocat général vous a réclamé la tête de mon client sous prétexte que celui-ci avait fracassé celle de sa femme avec un chandelier Louis XVI et non pas Louis XIII, comme ose le prétendre madame l'avocat général qui n'a aucune compétence en décoration. Vous verriez notre appartement, c'est absolument hideux. Je t'en prie, Simon, laisse-moi parler, hein. On n'est pas à la maison. Alors, messieurs les jurés, celui-ci n'aurait donc aucune circonstance atténuante. Et pourtant, messieurs les jurés, vous êtes des hommes, même monsieur le quatrième juré. Vous êtes des hommes et par conséquent des maris. Ne vous est-il jamais arrivé d'être torturé par votre conjointe avec ces petites phrases insidieuses du genre « Madame Lambert est restée bien longtemps dans ton bureau » ou bien encore « Tu as dansé bien souvent avec Madame Mignon au bal de la sous-préfecture ». Maintenant, je vous arrête, madame l'avocat général. Pour madame Mignon, vous n'avez jamais rien pu prouver. Bon. Et au cours de ces tortures journalières, ces petites phrases empoisonnées, ne vous ont-elles pas, messieurs les jurés, donné l'envie de jeter à votre conjointe, à votre tortionnaire en jupon, le premier objet qui vous tombait sous la main? Le malheur a voulu pour celui-ci que ce fut un lourd chandelier d'argent. Pour moi, ce n'était qu'un code civil, Dieu merci. C'est moi meurtrier. Oh, je n'irai pas jusqu'à prétendre que mon client est l'image même de l'innocence, oh non. J'ai même rarement vu dans un prétoire une pareille tête d'assassin. Aussi, messieurs les jurés, si maintenant, solennellement, je vous demande son acquittement pur et simple, croyez-le, ça n'est pas pour lui, mais pour moi, pour que je retrouve ma dignité d'homme, pour la faire bisquer, celle-là. Et si jamais, par malheur, messieurs les jurés, ma voix éplorée ne parvient pas à vous convaincre, si par malheur, vous ne comprenez pas le message affolé d'un homme aux abois, alors tu verras à la maison, tiens. Amis timides, bonjour. C'est un ancien timide qui vous parle. Ah, vous êtes étonné, hein? Vous dites, quelle assurance, quel aplomb. C'est pas possible que ce type-là ait été timide un jour. Eh ben, si. J'ai été timide, comme vous. Je l'ai eu, votre regard fuyant, vos épaules basses. J'ai été ridicule, moi aussi. Comme vous. Comme vous, je tremblais comme une feuille devant les gens. Je n'osais pas m'exprimer, je parlais à voix basse, je susurrais. Mais plus maintenant, car je suis guéri, je me suis soigné. J'ai lu la méthode des professeurs Lafolle et Chazot, de la faculté de Rennes, il est vilaine. Un an, il m'a fallu, un an, pour oser demander le livre. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que mon libraire était encore plus timide que moi. Il était tellement timide, cet homme, qu'il n'osait pas rendre la monnaie. Il faisait semblant d'oublier. Alors comme moi, je n'osais pas lui réclamer, je faisais semblant de ne rien voir. On a des réactions curieuses quand on est timide. Moi, j'en étais arrivé à ce point que je n'osais plus regarder personne en face. Même pas moi. Je me voyais dans une glace, je rougissais et je détournais la tête. Vous voyez comme c'est commode pour se raser. À l'hôpital, ils me l'ont dit, à l'hôpital, ils m'ont dit, on va finir par manquer d'agrafes, monsieur, faites quelque chose. Alors, j'ai lu la méthode en question et j'ai fait tous les exercices.
Mais alors, le plus difficile, c'est le dernier. Oh, le dernier. Ça, c'est épouvantable. Et seulement, attention, si vous le faites bien, vous êtes sûr d'être guéri. Hein. Ils appellent ça le test de la gifle. Et vous choisissez quelqu'un dans la rue, au hasard, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui par conséquent ne vous a rien fait, et pan, vous le giflez. Eh ben, faut le faire. Remarquez, comme ils disent dans le livre, il y a 90% de timides, vous n'avez donc pas 9 chances sur 10 pour qu'on vous la rende, votre gifle. C'est vrai. Moi, j'avais un petit peu triché parce que depuis quelque temps dans mon quartier, j'avais remarqué un jeune garçon, dès qu'il me voyait, il rougissait. Il baissait les yeux, il rasait les murs. Oh, je me suis dit, toi, mon bonhomme, t'es encore plus timide que moi, tu leur as pas volé ta beigne. Le lendemain, je le croise dans la rue, paf, paf, 2 torgnoles. Eh ben, il me les a pas rendues. Hein. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne savais pas que vous étiez au courant. Les gens disent n'importe quoi dans ces cas-là. Quand j'ai raconté ça à ma femme, elle n'a pas ri. C'est curieux, elle n'a pas ri. Enfin, moi, ça y est, je suis guéri. Mais alors vous... Oh, dis donc. Oh non. Oh, vous ne pouvez pas rester comme ça. Ah non, 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 il faut faire quelque chose. Alors, écoutez, vous allez suivre mon conseil. Vous allez commencer par l'exercice du regard appuyé. Vous allez voir... C'est très facile, et en plus de ça, c'est rigolo, l'exercice du regard appuyé. Voilà. Imaginez que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous impressionne, je sais pas moi, votre professeur, votre chef de bureau, un ministre, n'importe quoi. Bon, vous n'osez pas le regarder en face. Dans ces cas-là, vous savez ce qu'il faut regarder? Sa braguette. Mais oui, il va se dire, ça y est, elle est ouverte, il va être gêné. Et alors, plus il sera gêné, plus vous allez reprendre contenance. Vous comprenez? Essayez entre vous. Si vous allez voir, c'est très rigolo. Essayez entre vous. Vous allez voir, c'est très... C'est très amusant. Vous allez voir, au fur et à mesure que lui va perdre contenance, vous allez retrouver une certaine assurance. Vous allez bientôt cesser de bégayer et vous serez débarrassé définitivement de cette envie irrésistible que vous avez de fuir. Ne me pousse pas. Non, je ne rentrerai pas. Je suis salie, je suis pas chaud. Non, je ne rentrerai pas. Non. Ah non. Ah non, hein. Un oreiller, oui. Deux, non. Un oreiller, oui. Bon. Je m'en pardonne, cher monsieur, mais l'oreiller rose, il est à moi. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Oui, c'est la première fois que je dors sur le palier, alors je ne suis pas au courant des habitudes. Ah, monsieur, nouveau locataire? Oui, je n'habite cet immeuble que depuis 2 jours. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur, enchanté. Qu'est-ce qui vous amène? Indifférent avec ma femme. Ah, mais c'est pareil, monsieur. Vous aussi? Oui, monsieur. Ah, alors, monsieur, je vous fais juge. J'allais pour me coucher, je la trouve complètement en travers du lit. Non, mais vous vous rendez compte? Ah, mais quel culot! Ah, là. La colère m'a pris, la moutarde m'est montée au nez. Où ça qu'elle est montée, la moutarde? Au nez. Mais c'est pas la place pour la moutarde. Oh. Oh, j'ai hurlé. Bah, ça devait piquer, hein. J'ai fait... Ah, ça, vous avez bien fait. Oui. J'ai fait... Ah, ça, il n'a pas envoyé des, hein. Non, mais dis donc. Quelle autorité! Non, mais dis donc. Deux fois? Non, j'ai pas eu le temps. Laisse-moi un peu de place. Toi, dis... Hey. Ou 105, hein? Je vais coucher sur le palier. Oh, je l'ai dit. Quelle autorité! Oh, monsieur, ça l'a pas traîné, elle s'est levée. Hein. Elle est allée se coucher sur un divan? Non, elle s'est levée, elle m'a poussé sur le palier. Ah, oui. Et alors là, j'ai ricané, vous savez, j'ai fait... Faites voir. Et je l'ai insulté. Grosse bête! Quelle autorité! Monsieur, elle a fouillé dans la poche de son peignoir. Elle a tiré son mouchoir et elle a pleuré. Ah non, elle a tiré ses clés, elle a fermé la porte derrière moi. Et vous, monsieur, vous couchez souvent sur le palier? Hein?
Tous les vendredis, monsieur. Ah bon? Le jeudi souvent, le mercredi parfois, le mardi c'est rare, mais jamais le lundi. Pourquoi? Elle va chez sa mère. Et le vendredi particulièrement? Oui, j'ai un banquet. Ah. L'amicale des anciens jeunes. Alors si je rentre, après 11h, je ne rentre pas. Ah, c'est ça, une ferme. Alors je prends une valise, je mets dedans mon oreiller, mon pyjama et mes bouches. Oui. Je me déshabille dans l'ascenseur et je me couche directement sur le palier. Ah, je ne sonne même pas. Ah bon? Elle le sait que je suis là. Non. Car je me manifeste. Ah bon? Je l'insulte. Bonne nuit. Quelle autorité! Et après me supplier de rentrer que je ne rentrerai pas. Attendez, attendez, peut-être qu'elle supplie. Oh, ça fait 15 ans qu'elle supplie plus, monsieur. Ah bah par contre, la mienne, tout à l'heure, à 8h du matin, vous allez la voir. Ah, elle va bien l'ouvrir, sa porte. Elle va vous supplier de rentrer? Non, non. Non, non, elle va me dire de lui faire son petit déjeuner. Ah bah c'est vous qui faites le petit déjeuner? Oui. Tous les matins. Je le fais exprès. C'est pour lui prouver que je suis levé avant elle. Ah non, elle est couchée, vous êtes debout, vous la dominez. Hein. Oh, puis elle est vexée, vous savez. Oh là là, elle ne trouve plus ses mots. Elle me parle par monosyllabes, elle me fait... Café. Sucre. Miel. Miel? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mange. Oh, n'est-ce pas un peu amer? Ah, mais monsieur, mais les femmes, faut les dresser. Mais faut les dresser, monsieur. Oh. Moi, j'ai dressé la mienne. Oh, là, ça se... Enfin, j'ai dressé. Oh là. Enfin, j'ai dressé. Oui, enfin, j'ai dressé. Oui, enfin, bon. Ça, c'est dressé tout seul. Oui, on n'est pas des sauvages. L'autre jour. Oui. Regardez la télévision, monsieur, il y avait un beau sujet. J'arrive, j'avais fait des commissions, j'étais encore en charentaise. J'avais mon caban et mon caddie. J'arrive. Elle n'avait pas fait la vessie. C'est pas vrai. Et sans se tourner, elle me fait... Ce geste vulgaire, tu veux dire ta bouche bébé? Oh! Je répète ma phrase, je la hurle! Obscène! Non seulement elle recommence son geste obscène! Ah oui, c'est pas beau. Mais elle ajoute. Pouille, pouille, pouille! Pouille, 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 à vous, à son épouille! À son époux! Le sang à la tête, oui. C'est la bête humaine! Oui. J'ai foncé à l'office. Zola, monsieur. Ah ouais. J'ai attrapé la. Ah non, vous n'avez pas fait ça! La... Oh, quelle horreur! La. La, attendez, la. Ah. La hache? Non! La lavette! J'ai mis le tablier en 10 minutes, j'ai fait la vaisselle. Oh. J'ai rien dit, hein! Elle n'a pas répondu une chance. Oh, moi, je ne fais pas la vaisselle. Hein. Ah, ça, non, je ne fais pas la vaisselle. Ça m'abîme les mains. Et après, je ne peux plus coudre. Ah, parce qu'elle ne sait pas coudre. Ah, non, elle ne sait pas mettre le couvert. Mais par contre, la cuisine, la cuisine, elle l'a fait vraiment très mal. Ah, tous mes amis me le disent, chez toi, c'est dégueulasse. Je n'irai pas. Et vous, elle fait la cuisine? Ah non, 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 non. Elle a son salon, moi j'ai ma cuisine. Ah oui. Elle a son salon, son piano, son chien, son chat et son philodendron. Moi j'ai ma cuisine. Vous avez raison. Elle est entrée une fois, elle m'a fait un chant avec des torchons. Et ça me retarde pour ma lessive. Ah mais oui, mais ça, les femmes ne veulent pas le comprendre. Nous, on travaille toute la semaine, on n'a que le dimanche pour la lessive. Mais vous connaissez mon dimanche, monsieur? Oh, je l'ai, les dimanches. Le dimanche, monsieur, le matin, j'ai le jardin, j'ai le poulailler, j'ai le gazon. L'après-midi, monsieur, je fais ma lessive. Les couleurs d'un côté, le blanc de l'autre. Après, je scie du bois. Elle vous fait... Le soir, huissier. Ah oui, mais ça, les femmes s'en moquent. La mienne, avant d'être mariée, elle travaillait. Maintenant, elle ne travaille même plus. Mais monsieur, mais elle travaillait. Ma femme, elle était mannequin. Ah bon? Chez Balmain? Chez Courrèges? Chez Olida. Ah oui, alors sans doute, est-ce une personne qui a un certain physique pour ça? Miss Charcuterie. Oui. Elle est très appétissante. Ah. C'est une femme qui n'a jamais ouvert une porte avec sa main. Boum. Ah! Je la connais, je l'ai croisée dans l'escalier. Vous n'avez pas pu la croiser. Ah bon? Elle est incroisable. Mais c'est pourtant vrai, j'ai dû redescendre deux étages. Alors c'est elle. C'est elle. Alors c'est elle. Ça c'est Moumoune. Avec ses petites soquettes, c'est Moumoune. Oui, c'est cette personne qui porte son collier horizontalement. C'est la seule femme au monde qui peut compter ses perles en marchant. Ah. Et ce qui l'a tué, c'est la robe maxi. Pourquoi? On dirait une course en sac. Non, voyez-vous, la mienne était dans une toute autre branche de l'industrie. Elle était essayeuse. C'est rare. Oh, c'est très rare. C'est rare, rare. Elle était chez Peugeot. Oh non. Chez non. Audi, chez non, Quattro. Non, 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 pas du tout. Non, non, chez Chocotte. La prothèse dentaire. Oh, les noms. Oui, elle présente les modèles. Elle a un très, très bon physique pour ça, ma femme. Alors, faut aller de l'avant. Oh, sacré canine. Pardon, Jeannine. Ah, elle s'appelle Jeannine? Oui, je l'appelle Nanine. Ah, c'est charmant. Et vous? Moi, elle m'appelle Coco. Ah, c'est charmant, Coco. Non, vilain Coco. Ah, vilain Coco. Vous vous appelez Jaco? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Non, elle m'appelle Coco parce que je suis colonel. Ah, de génie? Ah non, pas de génie, de carrière. Ah. Et vous? Je suis PDG, monsieur. Pardon? Je suis PDG. Oh, pardonnez-moi, je n'avais pas entendu toutes les lettres. Catégorie G. Non, non, non. Et j'ai 10 usines, monsieur. Oui. J'ai 10 usines et j'ai 20 secrétaires. Et demain, en arrivant au bureau, si l'une se permet un petit... Pff, un lapsi. Oui. Un zargasme. Oui. Monsieur, moi... Deux. Bravo. Tort.
Bravo. Allez voir sur le palier si j'y suis. Quelle autorité ? Comment ici ?